c'est important d'être là comme d'habitude, c'est-à-dire que vraiment pour la cause, pour le Rwanda et tout, parce que tout cela est au profit du Rwanda, parce que c'est Babette qui le fait, parce que c'est Babette qui à chaque fois le fait de mieux en mieux, et le succès c'est Babette, la cause elle-même qu'elle a su très bien représenter, incarner, et qui fait que tout le monde veut être là, et puis parce que Babette est Babette, et que c'est quelqu'un d'extraordinairement généreux, qui en fin de compte attire tout le monde, et c'est un cœur comme il en existe rarement dans la mode. On a l'impression d'être là pour quelque chose de palpable, de réel, qui aide vraiment toutes ces familles et tous ces enfants. Et donc c'est très important pour moi d'être là et c'est aussi un honneur. C'est l'une des rares soirées où toute la mode se rencontre, toutes les maisons, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de compétition. Les gens s'aiment, les gens ont envie de se battre pour la même cause et c'est ça qui est le plus beau ce soir. Pour tout ce qu'elle fait, pour tout ce qu'elle représente et puis en plus nous c'est notre premier date et du coup on est hyper contents, excités. On est porté par la générosité de Babette. Ouais. C'est beau de voir l'évolution, c'est beau de voir à quel point elle a réussi à porter ce projet qui ne fait que grandir. C'est moins abstrait que plein de soirées où on ne sait pas trop finalement à quel point on arrive à changer quelque chose ou non. Et on va écouter la grande, l'immense Babette Diaw. Bonsoir. Je suis tellement émue par votre présence ici ce soir. Je vous remercie tous du fond du cœur de nous avoir aidés à accomplir toutes ces magnifiques actions au Rwanda. Je tiens tout d'abord à remercier Mila, ma fille chérie, grâce à qui toute cette belle aventure a commencé. Un immense merci aux deux présidents de l'association, Laurence Valency et Laurent Morgenstern, qui concrétisent toutes nos actions au Rwanda depuis 15 ans. Mon grand ami Peter Lindbergh disait « Une image vaut mille mots ». Alors je vous laisse découvrir ce petit film de 2 minutes qui retrace toutes nos actions au Rwanda depuis 15 ans avec ses enfants pleins d'étoiles dans les yeux, grâce à vous et grâce à votre soutien sans faille. Voici 15 ans qu'à force d'amour, de rencontres et de volonté, nous avons changé la vie de milliers de petits-enfants rwandais. Et ce, grâce à votre soutien sans faille. Notre premier projet en 2007 fut le centre Iséré, Espoir en Rwandais. Une petite cantine et un centre pour handicapés ont vu le jour. 15 ans plus tard, 75 000 repas y sont servis chaque année. À proximité, nous avons aussi construit 2 villages où des maisons y ont été bâties afin d'y loger les familles les plus démunies. À Karambo, nous avons construit une école qui accueille plus de 1400 élèves. Aujourd'hui reconnue école d'excellence par l'État, elle se classe parmi les 5 premières du pays. Nous voulions aussi créer un centre de santé. Bâti à Kinini, il permet aujourd'hui à plus de 18 000 villageois de se faire soigner. Chirurgie, maternité, trithérapie. Cette année, notre nouveau projet, c'est l'ouverture d'une école maternelle et primaire qui accueillera les petits dès l'âge de 2 ans. Au total, chaque année, depuis 15 ans, plus de 2500 enfants sont scolarisés, soignés et nourris chaque jour. Sans vous, sans votre soutien, sans votre immense générosité, rien n'aurait été possible. Je vous remercie tous du fond du cœur. Et sous un tonnerre d'applaudissements, le retour de Babette avec Jean-Paul Gaultier. Et Babette, belle histoire d'amour tous les deux. Hein, c'est vrai, c'est exactement ça, une belle histoire d'amour. C'est vraiment ça. Je dois dire que, bon, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de discours et de donner des décorations, donc ce sera la première. Et la dernière, sûrement, que je ferai. Et donc, voilà, ce que je voulais dire simplement, c'est que Babette va recevoir la médaille du mérite. Et elle le mérite tout à fait. Je la connais depuis un moment. Ça fait
pas mal de temps. Elle était bébé, moi j'étais un jeune homme. Et je me souviens qu'elle avait gagné un concours dont j'étais le président. Elle avait fait une robe verte, très 80, puisque c'était dans les débuts 80, qui était décolletée dans le dos, avec une broche derrière, et qui est complètement décolletée avec cette broche. Et j'avais trouvé ça formidable. Et elle avait gagné. Mais ce n'était que le début d'une carrière formidable où elle a travaillé dans plein de magazines. Elle a créé un magazine. Elle a créé aussi depuis un magazine. Mais au départ, elle a travaillé pour des magazines internationaux. Et elle a fait des choses formidables. Vous connaissez évidemment le numéro. C'est un sacré numéro, notre Babette. Et je dois dire qu'elle réussit par sa créativité, par son talent, à nous éblouir à chaque fois. Et en plus, elle est aimée. Elle fait tout ça avec le cœur. Et je sais que tous les gens qui travaillent, qui ont collaboré avec elle, a réussi à être avec tout le monde, avec les photographes, avec les mannequins, les maquilleurs, avec les coiffeurs, à être le trait d'union. Or, l'union fait la force. Donc c'est la force de notre Babette. Babette, je t'aime et je vais te donner la décoration. Donc, je me fais l'écho. Jean-Paul vient de lui dire « Je te fais chevalier de l'Ordre national du mérite ». Voilà. Voilà notre chevalière. Waouh. Merci mon Jean-Paul chéri. Je suis tellement touchée par tes mots qui me vont juste droit au cœur. Tu m'as toujours tellement inspirée par ton immense talent et c'est toi qui m'as donné envie de faire ce métier. Merci mon Jean-Paul que j'aime. Je souhaite remercier pour cette médaille le grand chancelier de la Légion d'honneur, le général Puga. Je tenais ce soir à partager avec vous cette médaille grâce à votre soutien et votre immense générosité. Merci de m'aider à créer un monde meilleur. Je vous aime. Bravo! Babette, elle prouve depuis longtemps maintenant que les gens de la mode peuvent être généreux, touchés par des causes et surtout passer à l'action. Babette et moi, on s'adore. On s'est rencontrés il y a quelques mois et c'est une femme extraordinaire et je veux absolument être là ce soir pour la soutenir, pour soutenir la cause dans laquelle elle croit depuis des années et des années. C'est important pour nous d'être là ce soir, tout simplement pour mettre de la lumière sur la cause. Il faut savoir que c'est elle qui m'a donné la chance dans ce métier et c'est elle qui m'a offert mon premier magazine numéro homme. Elle a contribué énormément à cette carrière que j'ai pu développer après. Pour moi, c'est un honneur aujourd'hui d'être ici et de pouvoir partager ce moment. C'est un grand moment d'amitié, de plaisir d'être ici, de gentillesse, d'amour aussi. Et puis chaque année, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus d'amis qui viennent. Et tu génères aussi beaucoup de tendresse. On t'aime, c'est pour ça qu'on est là et on sera là encore pendant des années. On vit dans une période très compliquée, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier. Qu'il faut oublier des causes qui sont hyper importantes. J'aime beaucoup Babette, je la suivrai jusqu'au Rwanda et au-delà. Et c'est une femme quand même avec une énergie. Et franchement, on voit le résultat. Elle a ouvert des écoles, elle rend des enfants heureuses. Et chaque année, quand je suis venue ici, je rencontre des collègues que j'ai perdu de vue. Donc c'est le festival de Cannes à Paris. Je vais vous demander d'accueillir notre commissaire priseur préféré, Maître François Curiel. Je vous propose de commencer avec le lot numéro 1. Il s'agit d'une photographie par Guy Bourdin. 18 000. 32 000 ici. 48 000. Tenez Agnès, donnez le coup de marteau. Allez, 48 000. Avec joie. Voilà, bravo, merci. La fameuse Kawamata. T'es sponsorisé dans la plupart des plus grands musées internationaux. 20 000 ici, par un grand galeriste parisien. Pour vous, madame, à 30 000 euros, 30 000, j'adjuge. 30 000 euros. Le lot numéro 3 maintenant, Sarah Moon, le petit chaperon rouge. Adjugé à vous, monsieur 8 000. Il s'agit ce soir d'une photographie d'un Jean-Baptiste Mondino, l'origine de Mondino. Dernière offre, dernière chance. Adjugé à vous, monsieur 6005, merci beaucoup. L'avant-dernier lot de la vente, Paolo Roversi a offert de prendre une photo de la personne qui aura gagné le lot. 10 000, bravo. 10 000. J'ai 20 000 euros au maître. Il y a 35 000. 42 000. Je vous rappelle que c'est toujours au profit des enfants du Rwanda. Votre enchère à 60 000, on va adjuger. Ouais. Merci, merci, merci
beaucoup. Et maintenant, le dernier lot de la vente ce soir. Guido Mocafico, deux œuvres au profit de la Croix-Rouge Ukraine. 9000 euros, merci beaucoup et merci de votre générosité. Tous ces fonds qui sont levés dans cette soirée, c'est un truc formidable et jamais, jamais je ne raterai cette soirée pour rien au monde. Je trouve que c'est une femme formidable, voilà. Bravo Babette. Babette, voilà, est toujours très engagée, très passionnée et a aussi le don de nous réunir, ce qui est assez rare, surtout en ce moment. Surtout que le dîner de Babette, c'est toujours un moment où on s'amuse beaucoup et on voit les gens qu'on aime, qui est aussi pour la bonne cause, évidemment. On est hyper content d'être ce soir pour AEM, c'est une très très belle association pour les enfants du Rwanda. C'est touchant de voir des gens qui se mobilisent et qui arrivent comme ça à réunir autant de monde et de trouver des moyens. Ça fait déjà 15 ans qu'on se réunit tous autour de Babette et pour Babette qui a un élan vital et une énergie incomparable. Donc quoi qu'elle fasse, je serai toujours là pour elle, elle le sait. Bah, c'est plutôt de la joie, c'est un honneur, c'était super de participer à la consécration de Babette, de la suivre avec fidélité dans ce qu'elle arrivait à faire. Grande agitation, grand chaos joyeux, enfin c'est plutôt pas mal. Le grand moment de la tombola. Le suspense est à son comble. Je vous rappelle que ces enveloppes sont pour vous faire plaisir, mesdames et messieurs, mais surtout au profit de l'association AEM et grâce à Babette Jean qui nous reçoit ce soir. Est-ce qu'on a gagné des lots ici ? Ça y est, c'est la folie là, des petites enveloppes, Ariel. Le 101, le 287, le 236, ouh, magnifique. Ton épouse le 118. Et regardez qui s'est avancé les vers les platines. Enveloppes, ça personne tourne, d'autre ça tourne. Que le grand Kiddy Smile.